Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Relien, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce quatrième épisode de Cube World. J'ai vu que vous étiez absolument fan, grand fan de ce jeu, donc on va continuer, moi j'adore aussi, aucun souci. J'ai un petit leftover que j'ai dans mon sac, que j'ai ramassé sur un boss, donc on va juste voir qu'est-ce que c'est, peut-être que ça peut être intéressant. Wow, comme ça, voilà. Identify, please. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Flawless Food Wand. Ouais, génial, ça veut dire que je peux pas l'utiliser en gros. Backpack, qu'est-ce que j'ai reçu? One, ça doit être ça. Ok, donc on va directement... Non, je crois pas que je peux le vendre ici. On va directement aller le vendre, comme ça fera de la place dans notre inventaire. Je crois que l'armurier est juste ici. Please, oui, bien joué. Et puis, vous voyez que je suis un peu sur mon cheval. Je ne voulais pas faire ça. je voulais vous montrer après, mais bon, c'est pas grave. Spoil. Alors, ça on peut vendre, ça on peut garder, ça on peut vendre. Ces points on va les garder, ça je peux tout garder, je m'en fous. J'ai assez de place, on verra peut-être plus tard. Donc oui, j'ai un peu joué, j'ai un peu level up comme on dit, un peu XP, farm XP, non rien du tout. Je suis contre le farmage d'XP, je suis plus pour augmenter de level de façon pure et dure. Mais ouais, level 8, vous voyez que mon cheval est level 5 et plus 4. Je crois qu'on s'est levé au level, on s'est laissé au level 4. Et puis j'ai aussi une nouvelle arme, vous pouvez voir, une espèce de scie. J'essaie de faire un truc avec des cubes de fer que j'ai ramassé à gauche et à droite. J'ai aussi une amulette, j'ai aussi tout plein de trucs, une nouvelle armure et compagnie. Et puis maintenant je peux aller sur mon petit cheval. Et si ça c'est pas magnifique, je vous le dis les amis, c'est absolument superbe. Bienvenue dans Minecraft 2, ça fera pas besoin de sel, c'est vachement plus pratique. Donc, dans cet épisode, je parle, mais je ne fais rien. Dans cet épisode, nous allons explorer un peu. Oups là, explorer un peu, je le disais donc. L'idée, c'est d'aller explorer. Là-bas, c'est tout du rouge. Donc, on ne va pas y aller. J'y suis déjà allé, mais je me suis fait niquer pas mal de fois. On va aller plutôt en direction du bleu. Donc, dans cette direction-là, Duraria Castle, ça, c'est le château qu'on a déjà fait une fois. On va éviter d'aller se le refaire parce que bah, je vais garder ça plus tard. On va pas faire deux épisodes de la même chose. Hein. C'est peut-être pas forcément top. Mais du coup, je veux aller là-bas. Voilà. Boum, on se met dans la bonne direction et on y va. Et puis, j'ai aussi quelque chose de tout neuf que j'ai eu la dernière fois que j'ai joué. Donc, c'est vraiment tout neuf. C'est le deltaplane, chers amis. Donc j'ai essayé d'abord seul pour voir un peu comment ça faisait. C'est absolument super, c'est à vous procurer si jamais vous pouvez. C'est oula, c'est de la grosse descente ça. Si vous pouvez vous le procurer, alors venez absolument, faites-le, c'est 10 pièces d'argent, on va se le niquer celui-ci humain, mais tout seul, ça va être du piece of cake, un truc de fou. Voilà, vous voyez que mon cheval se bat aussi, hein, c'est des chevals maso. Hop là, nickel. Ok, ride. Let's get ready. Puis je crois que j'ai des flasques d'eau qui sont encore... je vais juste regarder. Voilà, merci, j'ai appuyé 25 fois et puis du coup, bref. Des flasques d'eau, est-ce que j'en ai? J'ai 17 flasques d'eau, ça c'est des cotton. Ok. Donc c'est tout bon, il faut juste que je récupère quelques heart flower, n'est-ce pas? Et puis on est tout bon. Ok, un bush. J'ai pas encore bien compris ce qu'on pouvait faire avec le bois. Je crois qu'on va pouvoir sûrement construire des maisons plus tard. Pour le moment, c'est pas encore le cas. On verra. Faut acheter des plans et compagnie, hein, c'est juste ça. Pour le moment, il n'y a pas. Et puis merci infiniment pour tous les super commentaires que j'ai eus. C'est... Franchement, je savais que ce jeu allait avoir un peu de succès quand même, sinon j'aurais franchement pas commencé une série dessus. Et, alors déjà, un, c'est un jeu que j'adore, il est vraiment très très sympa. Et de deux, avec les remarques que j'ai, je peux juste que continuer, quoi. Et puis, donc voilà, donc joindre l'utile à l'agréable, ça va vous divertir. Et franchement, pour moi, c'est pas du tout une tare de faire ces épisodes-là, j'adore ça. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps, parce que, ben, voilà. Ça prend quand même du temps de faire tout ça. Et comme je vous ai dit, je me marie aussi. Donc voilà, c'est juste ça. Mais sinon, je vais essayer de faire les épisodes le plus régulièrement possible. Mais voilà, il se pourrait que des fois, il y en ait plusieurs. Tout d'un coup, ben,
peut-être plus forcément pendant un petit moment. J'espère que ça ne vous frustrera pas. Mais je suis sûr que vous me comprenez très très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si on peut trouver aussi un peu de fer, ça serait vraiment hyper sympa. Scrubs, je m'en fous. Là-bas, il y a des gaillards. On va voir si on peut les choper. Et puis, hop là. Et oh, oh, quand j'appuie sur E, tu me prends ça, d'accord? Merci bien. Alors, ils étaient juste là-bas derrière. Est-ce qu'on peut se les faire? Voilà. Ok, donc on va d'abord se concentrer sur un. Et puis il faut absolument que... Ok, d'accord. Là je suis un peu dans le caca, c'est que j'ai pas mis la potion. Donc c'est pas cool. Ah oui, je me disais aussi, purée le mec. Donc l'idée c'est que trouver un petit endroit où est-ce que mon cheval va pouvoir les avoir, ça je ne sais pas. On va voir, mon cheval, où es-tu? Voilà, chope-les, mon cheval, chope-les. Ah bah c'est bon, ils arrêtent. Non, merde, ils arrêtent pas. Donc, bah il vient quand même. Voilà. Mon cheval, occupe-toi d'eux. Ça, c'est la grande technique. Hop là, déjà fait, c'est bon. Donc, maintenant j'ai mes potions. Ça va tataner ta gueule. Tu vas rien prendre à ce qui... Merde, j'ai aussi attaqué l'alpaga. Ah non, c'est pas cool pour lui, quoi. Donc, ok. Donc, l'alpaga est bientôt fini. On va quand même juste aller prendre une petite potion, juste pour être sûr que ça joue. Ah mince, j'ai oublié. L'idée, c'est vraiment d'attaquer. Ensuite, dès qu'on voit qu'il attaque, faire une petite esquive sur la gauche ou sur la droite ou n'importe où. Mais c'est quand même pas facile, hein, parce qu'on est vraiment en train d'être attaqué, forcément. Et puis de bien checker qu'est-ce qui se passe et tout ça, c'est franchement pas easy. Mais c'est un peu l'idée que j'essaye, c'est d'attaquer, ensuite de cliquer sur le scroll, esquiver, et puis go départ pour le reste. Mais c'est pas simple du tout. Allez, voir ici, toi. Si ça, c'est pas facile. Je sais pas tellement ce que c'est. Merci bien. Ride. Ça, les biteurs, je crois qu'on peut se les faire. Je vais juste boire un coup. Alors, quand on boit aussi en déchant du cheval, j'espère que ça sera corrigé une fois, parce que c'est franchement un peu ridicule. Ok, les unes après les autres quand même, parce qu'on va pas se la jouer. Alors vas-y, je t'assomme. Ok. Donc est-ce qu'on va peut-être pouvoir augmenter d'un level dans cet épisode-là, j'espère. Sinon je tournerai l'autre direct après, comme ça vous en avez aussi. Et puis excusez-moi si j'abuse un peu, enfin je vais peut-être un peu abuser sur les épisodes ces prochains temps, mais il me semble que ça vous dérange pas tellement que ça, donc ça va. Allez mon gars, bitter, ça veut dire amer en français. Hein. On est en train de se prendre une claque relativement amère justement. Allez mon gars, t'es bientôt fini. Et voilà, nickel. Par contre mon cheval aussi, il est fini. Salut bitter. C'est du blue bitter ça, de la mer bleue. Forcément la mer est toujours bleue. Hein. Point, point, point. Navré pour ce gag. Dirais un... Tout dirait des Pokémon, ces machins. Je sais pas, ça me fait un peu penser à ça, genre Rakaillou, je sais pas trop quoi. Bref, oui, j'ai joué un petit moment au Pokémon. Grande révélation. Donc c'est sud-est qu'on va, hein. Pas que je me gourre. Et puis, combien XP 160 sur 309. Ça va être un peu chaud pour cet épisode-là, à moins qu'on croise un boss. Ce que j'aimerais bien, hein. Ce que j'aimerais vraiment bien. Hey! Y a-t-il un gisement de fer par là? Non, que dalle. Ok, on repart. Très pauvre en fer, cet endroit-là. Et puis l'émeraude, alors j'ai pu trouver un peu des pistes. Ça sera pour crafter plus tard d'autres équipements. Certains me l'ont déjà dit en commentaire, mais vu que je ne savais pas. Enfin bref, voilà quoi, vous savez le truc. C'est là-bas. Donc ça sera sûrement pour crafter plus tard armure et compagnie. Aussi peut-être bouclier ou pour faire des recettes de craft un peu plus complexes. On verra. On verra à la suite ce que ça nous réserve. Là-bas, il y a des montagnes, j'espère qu'il y a du fer. Fer, émeraude, or et compagnie, ça serait vraiment cool. L'or aussi, du coup, je pense que ça va être pour crafter d'autres choses. Spike creature. C'est difficile à dire en anglais, ça. Créature. 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 Bref. Et puis, on va se faire un petit vol en deltaplane une fois, tiens. Dans cet épisode, deltaplane, bam. Hop là, j'en ai trop de ces machins, faut vraiment que je les enlève, enfin que je les enlève, que je les crafte. Viens voir ici toi, que je te ratatine ta gueule.
Et j'ai fait aussi une partie en multi avec Akko, qui m'a justement, on a fait un peu d'XP vu qu'on a fait un boss. C'était vraiment, vraiment, vraiment super, et je pense que tout le potentiel du jeu est vraiment en multi. Mais bah, du coup, il faudra aussi que le côté multi se développe et que les serveurs puissent faire venir plus de joueurs. Et surtout, que ce soit plus possible de farmer de l'XP comme des porcs, parce que franchement, ça vous gâche tout le plaisir du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je milite franchement pour un... C'est un peu joli, là. Je milite pour un jeu legit et sans cheat. Alors j'espère que vous êtes avec moi sur ce coup. Mais franchement, ouais, il y en a qui trouvent malin d'exploiter les bugs et puis tout ça juste pour frimer sur les forums. Non, quoi, je veux dire, non, il n'y a pas moyen, c'est pas comme ça qu'on joue. Et puis, voilà, en fait, vous faites chier pendant des heures à farmer de l'XP et puis en fait, le résultat, c'est juste... Bon, tu descends ou quoi? Oh. Puis le résultat, c'est juste un post sur un forum, puis plein de gens qui disent « Ah, t'as fait comment ?» puis tout ça, et puis voilà. Puis ça mène à rien, franchement, à rien, rien, rien. Mais ce n'est que mon opinion, désolé si vous vous êtes senti vexé, mais je pense pas. Sud-Est, c'est toujours là-bas. Par contre, là, du coup, je cherche un peu les cavernes aussi qu'il y a sur le chemin pour... Voilà, non, il n'y a rien. La petite lanterne, j'ai vu aussi qu'on pouvait aussi en acheter des plus puissantes, ça m'intéresserait beaucoup. Le seul souci, c'est qu'on m'a dit, ouais, faut que tu mettes cette seed là, puis après que t'es dans le magasin, puis que t'achètes ci. Je suis pas hyper fan, navré. Wouhou! Nice, n'est-ce pas? C'est trop trop beau ce truc. Oula! Par contre, ça... Vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espace, c'est la stamina qui descend. Puis si j'appuie pas, on descend. Wow, what are you doing? Puis on va essayer. Wow! Pourquoi ça tournait comme ça? Je sais pas. C'est. Voilà. Mystère et boule de gomme, je dirais donc. Donc c'est sur G, hein. On va descendre. Waouh, aïe, aïe! Les premières fois que j'ai fait, franchement, ça allait bien. J'ai bien réussi à gérer les atterrissages, mais alors là, je vois que c'est pas terroche. Oula! Un boomerang. Genre comme ça. Dans la nature. Énorme, première fois que je vois ça. Donc apparemment, on peut aussi récupérer des loots sans combattre. Voilà, donc si vous êtes un explorateur, vous avez aussi de la chance, des chances d'avoir certaines loots que les autres ont aussi en fightant des boss et compagnie. Non, peut-être pas des boss, mais en tout cas en fightant des gaillards. Ça, j'en ai trop. Coley. Hey, Coley. Est-ce que je peux t'avoir? J'ai quelques trucs dans mon sac. Quelques pet food. How can I get ya? Non, tu n'aimes pas ça. Ok. Est-ce que tu aimes ça? Non, tu n'aimes pas ça. Ok. Est-ce que tu aimes ça? Non plus. Ok, tu fais vraiment le difficile. C'est pas sympa. On va reprendre mon cheval parce qu'au moins lui il me comprend et il vient vers moi quand je l'appelle. Y a-t-il une grotte ici? Grotte. Je pense que oui, quand même. En fait, je m'en fous. Ah, voilà, une petite grotte. Let's go inside the grotte. C'est vrai que ça serait sympa d'avoir une lampe torche plus puissante que ça parce que... Alors, sympa la grotte, quoi. La grotte qui sert à rien. Bonjour. Ah bah tiens, une batte. Boum. Franchement, les battes, c'est hyper facile. Et puis, c'est aussi facile d'esquiver. À bon entendeur, hein, si vous voulez esquiver tout ça. C'est quand même vachement facile. Ok. Donc là, est-ce que je piche pas? Ah d'accord, faut continuer à appuyer tout droit, sinon le truc, il tourne comme ça. Ok, d'accord, vous m'en direz tant. C'est bon, j'ai trouvé, pas la peine de m'écrire un commentaire. C'est tout bon. J'ai capté le truc. Par contre, ça marche pas quand même monstre bien. Mais c'est pas grave. Puis là, si on tourne un peu, puis que... Ouais, putain de merde. Ok, non, ça marche pas super bien. Ok, combien sont-ils? Ils sont combien, les schtroumpfs? Deux schtroumpfs. Par contre, deux schtroumpfs qui tirent à distance. Alors ça, faudra vraiment faire gaffe, parce que quand ils tirent à distance, ça veut dire qu'il faut que je parte plus loin pour ma potion. Ok, déjà un. On récupère un peu d'XP. Salut! Wow, mais le malade, le mec. Allez, fiche le camp. Voilà, putain, encore toi. Ah bah tiens, je peux récupérer un bout d'armure, mais ça m'avance pas en grand chose, vu qu'apparemment c'est pour un nain ou je sais pas quoi.
Ok, très très bien. Et puis maintenant un petit bouche. Donc est-ce qu'on est déjà dans la partie un peu plus exploration? Oui, nous y sommes. Donc on essaie d'aller... Ah bah là-bas il y a un donjon encore, on pourra essayer d'aller voir. Putain, j'ai pas l'habitude. Eh bah sympa, sympa. Alors sud, sud-est là-bas. Let's go! Let's go! Et puis je n'ai pas encore de compte Skype que je peux vous transmettre pour discuter un peu plus. Peut-être que j'en ferai un pour les abonnés, va savoir, je ne sais pas encore, c'est pas encore au projet. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme question? Jouer en multi, je joue de temps en temps, mais le problème c'est que là, vu que je peux jouer très irrégulièrement au vu de mes projets personnels qui s'avancent, c'est un peu difficile. Donc pour le moment, pour cet été, je suis navré, je sais que vous avez beaucoup de temps, vous, vu qu'en principe vous êtes en vacances, mais moi c'est justement cet été-là où je n'ai pas beaucoup de temps, voire même pas du tout, donc je suis navré de ne pas pouvoir répondre à vos requêtes ou à vos sollicitations, n'est-ce pas? Même si j'aimerais beaucoup, croyez-moi, c'est vraiment vous faire plaisir et puis répondre aussi à vos besoins, à ce que vous avez envie, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup. Mais qui pour le moment est un peu difficile et croyez-moi c'est un peu frustrant aussi pour moi, mais j'essaie de faire vraiment au mieux quoi, vraiment au mieux, au mieux, au mieux. J'espère que ça joue. J'essaie de bien répondre aussi aux commentaires, des fois je peux pas répondre tout de suite, mais au bout d'un moment j'essaie de faire hop une bonne traite et je réponds à un maximum de commentaires. Des fois il y a rien à répondre, hein. Faut pas vous frustrer non plus. Eh mais je vais dans la fausse direction. En fait maintenant je peux aller un peu où je veux, vu que c'est juste pour de l'explo. On va monter là-bas en haut. Yep, là là, coucou. Plouf, plouf, plaf, plic, plouf. Ok, we jump, we jump, we jump, we jump. Ok, let's go, come on, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Et on est tout en haut, et c'est un arbre qui nous attend. Magnifique. Oh, putain, heureusement que vous êtes gentil, sinon je me serais canardé. Pouf, et voilà, t'arrives bon, t'es mort. Super, génial, on recommence. Est-ce qu'il y a un gisement de fer là-bas? Des fois, il y en a en flanc de montagne quand c'est un peu tout au fond. Mais non, rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Par contre, c'est quand même assez gros. Peut-être que là-bas, en haut, il y en a peut-être un ou deux. Wizard. Eux, ils sont méchants. Ça, c'est la pire des racailles, ces trucs. Ils t'attaquent de loin. C'est puissant. Ils courent. Oh putain, un wolf. Ça, on va peut-être prendre une... Ok, viens voir ici, mon gars, que je puisse attaquer. Oui, hop là, y'a rien. Hop là, rien. Hop là, rien. Hop là, rien. Hop là, rien. Ah, merde. Et voilà comment ne pas se faire toucher. Dès que vous le voyez commencer à attaquer, hop, on esquive, vous attaquez un petit peu, hop, vous resquivez et compagnie. Et le mec, il finit frustré, mais comme pas possible, quoi. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, parce que sinon... Par contre, ça attaque direct, quoi. Et puis là, vous avez pas le temps d'esquiver, sinon vous faites absolument que ça. Donc là, ça vaut pas la peine. Hein. Par contre, je vais me faire attaquer aussi par le gnome. Et c'est pas hyper, hyper cool. J'essaie d'éliminer déjà le premier, pour ensuite en pouvoir soir le deuxième. Voilà, nickel, nickel, nickel. Le deuxième, qui est un archer, il devrait avoir des malus sur l'attaque au corps à corps. Là. Mais quel connard! Stop, 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 stop! Il y a toujours le son qui continue des fois un peu en arrière-plan de la potion. C'est un peu lol. Ok, donc what? Ok, j'appuie sur Q sans faire exprès. C'est pas grave, mon gars, c'est pas grave. Vas-y seulement, fais-toi plaisir. Ça en a... Oh! Ouais, c'est une dague, c'est pas terrible. Par contre, je crois que les dagues, on peut en mettre deux. Donc c'est là où ça peut devenir intéressant. Mais une dague à elle-même, elle seule, pardon. C'est pas franchement terrible, terrible. Scottish Terrier. Alors ça, tu bouffes de la merde en principe vu que t'es Scottish. Non. Pardon. Je ne voulais pas dire ça. On devrait avoir... Non. Non. Ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air. Ok. Ben écoutez, franchement, j'ai aucune idée de ce que ça... Non, moi je veux que tu prennes autre chose, je m'en fous. Oups, putain. Ah ouais, ok, d'accord. Ça, faut vraiment que je l'utilise, quoi. Je l'utilise absolument jamais. Mais ça peut valoir la peine. Get some sleep. Ça, je me rajoute qu'il corrige aussi, parce que je crois qu'à chaque épisode, je vous fais le coup. Oh, le mec, il dort sur sa tronche. Mais je ne le ferai pas cette fois. C'est bon, t'es tout guéri? C'est tout bon.
Hop, de quoi faire quelques petites pop-ho. Pop-ho. Et là, une caverne. Please. Merci. Les cavernes sont vraiment cool, on a vraiment l'impression d'être dans une crevasse en fait. Sans gisement de fer par contre. Non, ce serait trop demandé. Beaucoup trop demandé. On remet une caverne avec rien, c'est quand même vachement plus cool, non? Vous vous emmerdez à chercher des trucs, en plus on vous met nulle part où aller après. Ah bordel. Ok, un chou blanc, donc voilà, un tir à blanc, rien à voir, c'est pas grave. Je pense qu'on va se faire le troll qu'on a vu là-bas. Parce que oui, maintenant monsieur, je peux me faire des trolls sans avoir trop mal. En plus, avec les gaillards qui sont là, vous pouvez venir les enfants. J'ai un truc à vous montrer vers le troll. Venez. Ogre, excusez-moi. Coucou l'ogre. Lui il fait mal, lui il fait putain de mal. Voilà, quand il fait ça, là c'est là où il faut vraiment se tirer. Eh bien, ils sont où les trolls? Là-bas. On va les amener voir les trolls, les frogmen. Les hommes grenouilles. Puis comme ça, il va pouvoir nous aider. On se fera un petit combat mythique de chez mythique. Ah merde, il fait le coup là. Il est pas censé faire ça trop. Ah d'accord. En fait, il sert vraiment à rien quoi. Et puis moi, je suis mort. Je pensais que je pouvais me les faire. Oh putain. Je pensais que je pouvais me les faire, mais en fait, apparemment pas. Mais je me l'étais fait hein, dans un donjon. C'est pas grave. On va se faire un peu de... On va se te faire encore un petit peu, XP encore un peu, et puis ça va le faire. Par contre, là, je suis au bon endroit. Je sais pas où je vais, en fait. Ouais, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Je sais plus où j'étais, en fait, avant. C'est un peu ça, le problème. À force de tourner en rond, quand même, on... Voilà, on se paume. Mais j'aimerais pouvoir trouver aussi un autre biome, parce que j'ai vu d'autres vidéos avec des super jolis biomes. Enfin, des super jolis biomes. Tout est relatif, évidemment. Vu que je suis dans celui-ci, j'aimerais bien aller dans un autre. Puis ceux qui sont dans l'autre aimeraient bien être dans celui-ci. Bref. Mais trouver... Oh putain. Oups, c'est pas grave. T'as les étoiles, mais je m'en balance. Moi, j'ai rien senti. Puis t'as perdu quoi? Un XP. Pff, oula, dégâts de chute, attention, quoi. Ah, ça va pouvoir se faire. Nickel. Oh putain, par contre... Ouais, non, en fait, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de moi. Je me suis fait avoir par un ogre. J'ai pas envie de refaire la même chose. Par contre, il n'y a vraiment rien dans cette région. Hein. Là-bas. On va essayer d'aller là-bas, vers ce fort. On va voir de quelle couleur il est. Et puis, suivant quelle couleur il est, bon, on va se le faire au prochain épisode, si ça vous fait rien. Parce que là, ça fait bientôt 23 minutes que j'enregistre. On va pouvoir se laisser facile, easy peasy. Par contre, je peux mettre aussi le cheval. Certains ont déjà gueulé en commentaire. Je suis sûr. Genre, monte sur ton cheval, putain, ça va plus vite. Bah ouais, je suis désolé. Hein. Et puis, en fait, j'ai pas des points d'XP à remettre. Ah si, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On va mettre ça quand même. On va développer un peu nos compétences. Parce que développer le cheval et puis le paragliding, c'est cool, mais ouais, voilà quoi. Donc c'est dans cette action. Ah, une batte, ça veut dire qu'il y a une caverne. Ouh, plein de stuff, plein de trucs à prendre, c'est génial. Donc en fait, on va peut-être pas aller, du coup, changement de plan. Hein. Vous l'aurez compris, on va pas. Mais oui, la tortue. Allez, on va vite se faire ça, un parchemin flawless. Ouais, les trucs de coton. Franchement, je sais pas, armure de coton, quoi. Ça devrait enlever des dégâts de chute, le coton, c'est tout. Ah, bordel. Laisse-moi prendre mon fer tranquille. Merci bien. Hey, joli. Là, est pas mal, là. Aïe. Bon, aïe, tout est relatif, oui. C'est vrai. Hop là. Pardon, vous voyez absolument rien là. Coucou. Au niveau de la lumière, ça se passe bien? Ça, putain. Le mec qui joue avec la lumière, quoi. Jour, nuit, jour, nuit. Si votre génération connaît les visiteurs, vous avez sans doute compris ma blague. Si vous n'avez pas vu les visiteurs, alors vous m'avez sûrement pris pour un couillon. Du fer, s'il vous plaît. Beaucoup de chauves-souris, mais pas beaucoup de fer, hein. Je sais pas ce que j'ai pris, je regarderai après. Du fer? Ah putain, encore. C'est malade, le nombre de chauves-souris qu'il y a dans ce truc. Voilà. Thank you very much. Et puis c'est la sortie. Un iron deposit. Thank you very much, encore.
Je fais exprès de parler comme un boulet, hein. Faut pas mettre, on dit pas comme ça. Non, je plaisante. Il y a quand même. Je plaisante sur les commentaires méchants et compagnie, mais en fait, c'est pas des commentaires que j'ai vus sur mes vidéos. Hein. C'est des commentaires que j'ai vus sur d'autres vidéos de d'autres youtubeurs. Faut pas vous en faire. Quant à moi, j'ai que des gentils commentaires, je crois. Il n'y a pas eu de commentaires méchants ou je sais pas quoi. Oups, là, on va se tirer pour pas l'avoir celui-ci. Parce que un à la fois, c'est déjà pas mal. Hein. C'est Bitter Monster là. Et puis j'ai vu un truc rouge là-bas derrière, c'était quoi? Ah putain, j'arrive pas à voir. Ah ouais, c'est une un oiseau ou un truc comme ça. Ah, thank you. Insect. Voilà, c'est ça que j'ai vu, que je me demandais ce que c'était. Can I kill you? Please? Can I kill you? Merci! Merci, 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 merci. Et un petit slip. Oh non, slip. Ah putain, le mec, quoi. Par derrière. C'est un gobelin, c'est normal. Les gobelins, c'est fourbe, il faut s'en méfier, il faut s'en méfier. Dans tous les jeux, c'est des... Oh, et le mec 83, il m'a enlevé en un coup. Mais t'es ouf! Ouh, je me suis retourné, bam! Le mec, il a rien dû voir venir. Eh, hey, R, c'est pour slip, alors tu slip maintenant. Ok, on peut pas slipper. Bon, très bien. On va peut-être éviter de se faire les biteurs, alors. Je suis toujours dans la bonne direction du... Non, du coup, non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Là, bah ouais, voilà. Bref. Bah écoutez, je vous remercie. Eh ben là, ça marche. Eh ben alors, tu vois quand tu veux. Et les Z qui se croient sur l'eau en train de surfer, là. Bref. Gag pourri, je sors. Justement, en parlant de sortir, bah, je vais vous laisser là. Moi, je vais faire le chemin jusqu'au donjon et voir de quelle couleur il est. Si il est de bonne couleur, eh ben, on va se le faire. S'il n'est pas de bonne couleur, eh ben, on se le fait pas. Puis on ira faire autre chose, ma foi. Peut-être un autre donjon. Va savoir. On veut des loot, nous. On veut des loot et de l'XP pour passer les levels. Sinon, c'est moins drôle, quand même. Eh, le cheval est level 6, maintenant. Nice. Qui c'est qui? There is some trouble here. Vous êtes de quelle couleur? Oh, même pas drôle. Même pas drôle. Alors, toujours la bonne direction. La bonne direction. Merci beaucoup, beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos abonnements qui ont explosé depuis les premiers épisodes de Cube World. Pour aussi vos likes sur Twitter. Merci beaucoup. Je salue absolument tout le monde sur Facebook. Merci infiniment de me suivre. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Et j'espère ne pas vous décevoir. Voilà, un petit cœur pour vous. Là. Et puis on se laisse jusqu'au prochain épisode, en fait, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Allez, ciao, ciao.